Ouais, regarde, on est dans le véhicule, on va phober à gauche, côté ouest. Alors du mal à phober, c'est un transport. GGX, on n'a pas de... On n'est pas un logis, on accompagne... la 5, c'est ça? T-Pex. Ouais. Les gars, je laisse la 3, je pars. Oh putain. Oh le tricheur. Ouais, vas-y. Vas-y, bon courage à toi. Tu m'excuseras pour les autres? Non, pas de soucis, bon courage à toi. Yo les marsouins, c'est Tipex, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Squad. Et comme vous avez pu le constater dans le début de cette vidéo, je me suis retrouvé dans la position de leader. Et entre nous, c'est un poste que je n'aime pas trop jouer parce que je le maîtrise pas, parce que j'ai pas assez d'expérience sur le terrain. Et aussi parce que j'ai du mal à garder mon calme lors de situations compliquées. Mais j'essaie de faire au mieux. Et j'en profite pour laisser un message à tous les joueurs qui prennent le rôle de Squad Leader. Merci à vous parce que je sais que c'est un rôle qui est pas évident à jouer. Mais sans Squad Leader, on aurait beaucoup moins de communication et encore moins d'organisation. Allez, sur ce, je vous laisse regarder cette vidéo. Bon visionnage. Hésitez, bloquer les flèches rouges là que je viens de mettre, c'est la limite de zone de front. Donc il faut absolument qu'on bloque cette ligne de front. C'est quoi, c'est bien ça, que ça. On avance. Crash, je reprends le lead là parce que Jex il est parti. Tu lui avais donné une mission? Yes. Je lui avais dit s'il voulait remonter sur notre position. Là on va avoir besoin de mecs. T'as pas vu les screens? Vous avez mis en défense à Nilo sur ma pose là, nord-est de la map. Ah ok, reçu. Bon les mecs, changement de programme parce qu'en fait je me suis renseigné là par rapport aux informations parce que du coup on est parti à l'ouest mais je sais pas trop pourquoi parce qu'on n'a pas de logis. Il voudrait qu'on se déplace il voudrait qu'on se déplace nord-est mais du coup c'est à l'opposé sur Nilo. Donc là il faudrait qu'on reparte nord-est mais je pense qu'il faut faire si on veut pas se faire traiter sur la route, il faut faire un détour véhicule, sud encore. Véhicule descendez. Véhicule lourd, véhicule ouais. Tank, on n'a pas daté. Ouh. Il est où? Ok. Côté nord. Ah putain. Ouais Dark, enfin y'a pas grand chose à dire. Nilo c'est capé. Nilo c'est capé les gars. Maintenant le flag est capé. Ça marche. Sur ce bâtiment. N'hésite pas à le marquer sur la carte. Ok. Hein. Je vais vous assigner des fire team. Ok, MV et Baltix, là vous avez de quoi faire mettre des marqueurs sur la map là. MV et Slekol, vous êtes Bravo. Baltix, Guy, vous êtes Charlie. Ok. À toutes les escouades, flèche verte, bon, les gars, il faut bloquer cette ligne de front. Reçu. On a des flèches vertes sur notre nord, c'est une ligne de front. Ok, donc il faut qu'on essaie de l'atteindre pour bloquer l'ennemi qui vient nord-ouest. Mais déjà, on essaie de se dépatouiller de cette situation là. Se dépatouiller en tant que leader, c'est pas mal ça, non? Oh putain, quel con! Je vais prendre les infos, mais je pense qu'on va attaquer Paproc au nord. Là. Bon, squad 8, on se propose d'aller attaquer Paproc au nord. C'est bon pour vous? Ah bah de toute façon, il n'y a plus de... De toute façon, ici, c'est juste une squad partie. Il n'y a plus de mieux nord comme ça. Ok. Ok, bon, c'est confirmé, on essaie d'attaquer Paproc. Faut faire gaffe parce qu'il y a du monde sur notre chemin là au nord. Donc on fait une ligne face au nord. Médic en retrait. Ok, jusqu'à la position, c'est bon. J'ai full contact, ils sont arrivés en offensive. Pour info, en défense, c'est compliqué. Donc on va peut-être être amené à revenir sur le point à défendre. Contact en 038. Squad 8 à 39, je vais détruire la hub avec le Warthog. Ok, reçu. On a une ne progressez pas trop côté nord là, il y a le Warthog qui va passer au-dessus de l'AB, il va détruire l'AB ennemi là. Ah, nous on est fou. Squad 6 sont ici, Squad 6 on est full compromis, les gars, c'est compliqué de venir. On va filer un coup de main à la Squad 6 qui est à notre nord-est là.
Citypex, contact sur notre gauche 330 pour nous. Au niveau des smokes là? Ah non, je dis à gauche, qui est mon côté. Il est vraiment parfait pour cette zone en fait. Ouais, il y a des tirs de feu, ils sont en 40, ils sont en 40. J'ai mis une flotte d'attaque, les gars, sont pas proc. J'ai détruit une des deux camps sur Paprol là. Wow. Ouais, pas tiré, ouais, maintenant. Comment tu tires encore déjà? Ah, pas proc, pardon, j'ai pas proc. J'ai aucun visuel. On est toujours en def, nous, on bouge pas la def pour l'instant. Il est dans les rochers, je vois pas. C'est à l'est, on est d'accord? Ouais, 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 il est en 60 quelque part derrière un rocher. Ok, donc c'est les mêmes qui font chier la squad 6. Il est en 60-61. Attends, le bâtard, il a un visuel sur moi là. Je vois rien, je pisse le smoke. Faudrait qu'on smoke, hein. Je smoke ça. Merci. Ah, j'ai pas pris de kit SL, je suis trop naze. J'ai juste rechargé les munes, c'est tout. Bah, de toute façon, il y avait pas assez de mini. Prendre le kit SL. Ça, c'est incroyable qu'il nous bloque là. Juste un mec qui arrive nous faire chier comme ça. Ça y est. J'arrive, mini. Là il est en 55, haute colline 55. C'est bon, il a remarqué qu'il était spoté. Squad, on aurait besoin d'aide en défense à une squad ou bien un véhicule armé. Couvre le feu. Suppression. Ça nous a dans le bac. C'est possible que ça fasse des doutes. J'ai des doutes, ouais. De quoi derrière nous, vous avez dit? Je sais pas. Ouais, faites gaffe. Oh, c'est quoi ce petit fumier? Ça, à l'ouest, nord-ouest? Ça nous arrive de côté gauche, Tipex. Ah, j'ai progressé, moi, Wolf. Et bah, ça va t'arriver côté gauche, c'est bien ce que je dis. On est en train d'essayer de couper avec un autre, avec RMZ. Il a pris la sauce ou pas lui, Wolf? J'ai pas vu. Ils ont un camouflage vert, tire pas sur un allié. Comment ça prendre, hein? Ça contourne par le sud-est. Il n'y a plus personne sur ma position. Ils ont encore de l'aide sur Nilo ou pas? Allez, encore un. Ouais, ouais, on a besoin de def, hein, ça nous pêche. Ok, merci à la 8, ils nous ont débloqué. Pour Phob, devant moi. Squad 6, vous partez en défense ou pas du coup? Ouais, je suis en mouvement là. Ok, d'accord. Y'a pas quelqu'un qui a des mules. Et merci pour l'aide. Je t'en prie. Maintenant qu'on a aidé la squad 6, là on repart en attaque sur Paproc. Hein. Bah, je t'avoue, on est. Mais tu vas te taper les autres dans le dos, Tipex, avec la Phob là où je suis. Ouais, de toute façon, on est venu finir un coup de main. De quoi, Wolf? Il y a une phobe là où je suis, un peu en avant de ma position. Nord-ouest. Elle est marquée sur la carte. Ah ouais. Tu vas te les prendre dans le dos si tu avances trop. On a un médic au sol là? Oui, le médic est au sol, oui, parce qu'il a foncé dessus. Ouais, j'en ai plein, marqueur œil. Spex, tu feras gaffe, t'es resté en direct. Un médic. Excuse-moi. Sorry. La hab ennemie sur Paproc, elle est accurate. Ok, reçu. Il faut qu'on aille péter la hab ennemie sur Paproc là qui est au sud. Joue ma marqueur. Il est mort lui. Elle est toujours en attaque.
Ok. Qui a la batteuse là dans le groupe là? La batteuse elle est occupée à soigner le médic, tu vois, parce que personne y va. Merci. Ok, j'ai la frappe devant 10 minutes dans 7 minutes donc. C'est moi donc. Non, il est derrière. Bravo, vous mettez sur le marqueur flash là et vous regardez face nord au niveau du flag AKP. J'ai pris. Tu dis si tu veux que j'arrête les mortiers, Tipex. Tu peux continuer pour le moment. C'est bon, Vonk, il est mort. On va continuer avec les mortiers, j'ai marqué. Moi aussi. Moi je peux l'over, mais il y en a trop de mortiers qui tirent. J'ai un risque. Ok, MV, ok, je vais passer l'info. Stop les mortiers là, on a un gars qui est dessus là. Il tape la radio. Ça va s'arrêter, MV là. Moi aussi, on arrive. Je suis à même pas 2 mètres. Je puisse avancer. Ok. Il faut une couverture sur les portes. Ah putain, ça s'arrête. Je suis sur Nilo, Fabet, Over and Break. Il y a encore un des couvertures. J'ai le flanc est, j'ai tout l'ouverture avec. C'est bon, Tipex, ils sont là, je pèle. Affirme, on est dessus, ouais. Bon, c'est bon, y'a un niveau d'enlever déjà. Ils peuvent plus spawn. Tipex, bouge pas ta pause, je vais te mettre des smokes sur toi. Ok, reçu. Complètement, je vais la laisser au piqué pour pas qu'il la repose, donc la finisse. On cherche la radio là. Y'a un audio véhicule, hein, sur côté ouest. T'as un véhicule allié à l'ouest. Allié okay. À l'ouest. Tu m'as dit quoi, MV? Faudra pas enlever la hab et il reste du monde dans les bâtiments nord-est qui essaient de tirer. Non! Sorti allié! Non, c'est smoke! À l'étage du bâtiment en face. Ah, j'ai eu peur, putain! Ah, il reste du monde dans le bâtiment. Ok, c'est bon, c'est enlevé. Il reste que les piquets. Il y avait un gars sur la terrasse. Ok. Tu. Guib et ATVI, je sais pas comment je prononce ton pseudo. Vous restez sur votre position, vous êtes bien là, vous avez visu sur Paproc. Ouais, complètement. C'est remporté, moi la radio elle est dans le bâtiment. Restez là, on va chercher, la radio. Pour moi, elle est dans le bâtiment, vu comment c'est renforcé. Ok. Ah, il y a là le monde dans le bâtiment en plus. Hein. Joli, elle est pas mal la zone là. Là, j'en ai pris une au passage. Guib, vous restez toujours là-haut pour l'instant? Ok, attends, je vais te sonner. Pour info, on est en train de caper Paproc là. Moitié de décap. Merci, Médic. T'aurais moyen de construire une caisse de munitions à la limite de Paproc? Là, je crois que tu peux poser un RP à un leader là où on est parce qu'on est. J'ai pas. Ah oui, d'accord, ok. Faut être 4. Non, ils me disent que j'ai besoin du kit de leader. Merde. Ah ouais, oui, t'as pas parce le kit. Que c'est un sac. Ouais. Par contre, on peut avoir. Est-ce que tu peux quand même poser. Ah non, même sans le kit, tu pourras pas poser. Mais je crois pas, hein. Allez, que de la fortification. Je peux rien poser. Hein. Bon, bah, je vais aller au nord ravitailler parce que là, j'ai plus de chargeur, j'ai plus. Si vous avez besoin de ravitaux, des postes de FOB. Au nord de Paproc, sur la FOB, y'a du monde, attention. Ouais, les bâtiments nord-nord-est. Ok.
joli les grenades, non? T'as vu, je vise bien, hein? Oh oui, y'a du monde. Est-ce que vous voulez qu'on vienne sur ma proc avec la 6? Encore un peu et ça pourrait rentrer. Un peu plus haut, peut-être? Ouais, rez-de-chaussée, rez-de-chaussée. Il faut envoyer tout le monde à la proc. Elle est trop courte, celle-là. Elle n'est plus beaucoup, hein? Je l'ai eu, de toute façon, à l'entrée. Ok. On pose là-bas et on bloque pas proc. On joue la def maintenant à pas proc. En mode invasion, on les attend, hein. Ok, donc les potes ils vont venir nous aider sur Paproc, nous faut qu'on tienne la défense, hein, max. On capte le point, on garde la défense. Et ils arrivent en renfort. Et après on reste sur Paproc. Ok, Warrior 2 détruit. Y'a un fusillé là dans le coin ou pas? Qu'est-ce que la zone vers toi est sécure? Tu peux que c'est toujours du monde dans le bâtiment. Ouais, c'est... Ah putain, c'est vrai que du coup t'as pas de kit. Ah putain, et on a perdu la faute du sud. À l'étage, Wolf? Je l'ai vu, au rez-de-chaussée, au rez-de-chaussée. Ça va revenir de Manial, sauf pas proc. Hein. S'il va pas péter sur Manial, ils vont revenir directement depuis l'est. Je pense que tu l'aurais mis sur la fenêtre qui était juste à droite, ça serait rentré. La fenêtre à droite? Attends, je la vois pas bien. Ouais, l'ouverture, là où t'as tiré, t'as, à droite. T'as okay. L'ouverture. Ok, mais c'est ma dernière. Hein. T'aurais fait la même, elle rentrait. Je pense que le mec, il me tuait. C'est ma dernière. Oh putain, elle a rebondi sur le mur. Ah, c'est ça le ptioup. Ouais, ouais, c'était ça, ouais. Il y a un mec derrière ça, Wolf, là. Ici, là. J'arrive. Sur marqueur E, il y a un mec derrière, là. Ok, j'ai pas trop de visu. Mais... Il va arriver côté gauche, Wolf, tu devrais le voir. Ah, ouais, Jex. Et nous, on a perdu la carte. Nord-est-est. Ils en sont où, les potes, là? Ils arrivent à venir ou pas? Ok, ça arrive. Faut tenir, hein, les mecs, hein, les renforts ils arrivent. Hein. Toujours dans le bâtiment, Tipex, hein, en rez-de-chaussée. Ah, je vais ravitailler à Nilo, j'arrive. Putain, les moisis là. Putain, je me fais tirer dessus. Aouh. J'ai pas le temps de rentrer. Où est-ce qu'il... À mon avis, ça venait côté ouest. Ouais, je pense nord-ouest, ouais. Je te lève. Ouais, nord-ouest. Faites gaffe, on prend des tirs nord-ouest de Paproc là. C'est mon dernier bandage. Ah, hein. Ennemi nord-ouest. Oh, j'ai trois moisis en batteuse. Pas de cadence, elle a du recul de fou. On va arriver sur Paproc avec la 6 en défense. On va boucler un commun et. On est en train de perdre. On est en train de perdre Paproc pour info là. Ils sont côté nord, nord-est, nord-ouest. Reçu. Il y a la logis là qui va nous poser une FOB au sud de Paproc. Tiens, Tipex, tu peux toujours noter le bâtiment, il y a du monde encore dedans. Mais j'arrive pas à le viser, lui, à moins de thune, voilà. Ah, j'ai plus de bandage, Wolf. Elle est moisie, cette bateuse. J'ai plus de bandage du tout. Aussi, j'ai tout mis à côté. Il faut qu'ils arrivent plus vite, on va le perdre, le poids. Ils sont en train de blanchir, là. Bah ouais, on a vraiment rien à proximité. Ça arrive, les renforts ils arrivent. Ils doivent avoir une FOB ou un truc comme ça encore au nord. Il va y avoir une frappe à sur Paproc face nord. J'aurais bien voulu aussi la MG3 là. Ouais, je t'ai vengé, je crois. Tipex. Ouais. Bah, c'est toi qui est parti. Bah ouais. C'est ta squad. J'ai dû prendre le lead et j'ai même pas le kit encore, tu vois. Excuse-moi, j'ai eu la terre. Non, pas de soucis. Oh, y'a plus de frayeur en tout. On prend des tirs nord-ouest là. Oh la vache, c'est comment ça me fait la vie. J'espère que ça va nettoyer quand même de ce côté-là. Je sais pas, ouais, les mecs sont planqués dans les bâtiments là. Ah, beaucoup de TK. Ah, beaucoup de TK. Ah merde. J'ai
Je selon la crash, tu peux ouvrir sa squad. Faut que j'y rentre. Mais je suis pas sûr. C'est possible. Je suis avec la BAC. Bon bah c'est, m'envoie en défense. Ok, j'invite à y aller à la hab. Je vais repartir à la hab moi aussi pour prendre un kit SL parce que du coup là. Je suis tout nu. Je suis tout nu. Plus de mun, j'ai plus de mun et j'ai pas de mon sac. Gib, il a pas bougé. Ça décale nord-ouest. Hein. Hey Gib, t'as pas bougé depuis tout à l'heure. Ah ouais, toi tu respectes les ordres à fond. Non mais t'es bien là, ouais, t'es bien. Vas-y. Ah c'est Fortivi que ça se prononce, ouais, désolé. Ouais, okay. Bonjour, tu sais pas. Salut. Ouais, ça doit être ça. Bah ouais, merci moi je. Toi de m'avoir donné envie de jouer à squad, hein. Ah bah, merci à vous de me suivre dans mes aventures. Hein. C'est bon, j'ai mon kit. Bon, on va rester en défense sur Paproc. Hein. On commence à avoir des batteuses placées un peu tout autour, là, côté nord, nord-ouest. Tu peux mettre des marqueurs aussi, t'as vu. Ah bah, du sud, hein, y'a moyen qu'il y ait des mecs qui... Il y avait des résistants en îlot, ils vont peut-être essayer de tourner pour tomber les habs. Ouais. Non mais là, c'est que de l'audio et les transports qui passent. Y'a du monde sur moi, là. Ça va, ouais. Ils sont en train d'attaquer là. On se met comment en défense? On reste comme ça là? Ouais, on va rester en défense. Enfin, on pourrait même reposer une hab. J'arrive à MV. De quoi MV? Ah, bah GG messieurs. GG tout le monde. Eh bien. Belle victoire. Dommage, on a joué mieux qu'eux, mais ouais, t'es bien. Ah, oh, j'ai tué personne. Avec mon lance-grenade, j'ai tué personne. J'en ai eu 14. 14 touchés en se tuant. Bon les marsons, cette vidéo s'arrête ici et j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à laisser un commentaire. Surtout si vous avez des conseils pour être un meilleur squad leader, je suis preneur. Sur ce, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Portez-vous bien, si elle est jeune.